Et ça y est, c'est ARL. Et me voilà aujourd'hui pour commencer le let's play de Skies of Arcadia Legends. Voilà, la version qui était sur GameCube, un peu remasterisée par rapport à la version Dreamcast. Je vous avais promis que j'allais faire un let's play sur ce jeu. Et ça y est, c'est chose faite. Alors je vous invite maintenant à démarrer les réjouissances. Hop! Donc on va créer bien sûr un nouveau jeu. Et on va voir ça ensemble. Alors. Allez, pas de fonction de vibration. Ce logo qui est magique. Allez, c'est parti pour une petite cinématique. Je vous laisse apprécier ça tout en douceur. Ah, nous l'avons enfin trouvé. Amiral Alfonso, son vaisseau est à portée de nos canons. Excellent, préparez-vous à lancer les charges étourdissantes, mais ne tirez pas directement sur son vaisseau. Je la veux vivante pour pouvoir la questionner. Feu! Excellence, la jeune fille a perdu connaissance en se cognant, mais elle n'est pas blessée, nous l'avons transportée à bord du vaisseau. Ha ha ha, l'impératrice sera très reconnaissante de moi. Je serai sûrement récompensé, plutôt généreusement je dois dire. Quoi? Cela venait d'où? On aurait dit une explosion. Bilan immédiat de la situation. La coque inférieure a été touchée, quelqu'un nous attaque. Nous attaque? Qui oserait attaquer un vaisseau de l'armada impériale? Il y a un petit navire qui se cache dans les nuages à bâbord. Ce drapeau, c'est des pirates de l'air. Sale pirate de l'air, ne savez-vous pas que nous sommes des soldats de l'Empire Valuan? Bien sûr, je sais. C'est pour cela que nous avons attaqué votre navire. Vous avez les meilleures marchandises. Je suis Vice, des voleurs bleus, et bientôt je vous aurai débarrassé de tous vos objets de valeur. Hé hé, nous attaquer tout seul. Soit vous êtes très brave, soit vous êtes très bête. Nous vous bouterons hors du navire. Attends-moi! Vice, tu es parti sans moi. Je ne vais pas te laisser t'amuser tout seul. Oh, bonjour, je suis Eka. Je suis comme Vice, le voleur bleu. Et nous allons vous alléger de vos biens.
Vous osez railler l'Empire Valoine avec votre insolence? Tuez-les et jetez leurs cadavres par-dessus bord. Et voilà, ça y est, on est en phase de combat. Donc comme je vous avais vu, je vous ai fait les dialogues. Si jamais vous désirez plutôt les lire que les écouter, n'hésitez pas à me le dire. J'en prendrai note. J'essaye un peu, comme je vous dis, de tester, de voir avec vous. Donc voilà, alors le système de combat, il est très particulier sur Skyrim Arcadia. Vous avez donc une barre qui représente les points qui vous permet d'attaquer via des sorts ou via des techniques spéciales. Bon là, comme vous le voyez, je suis assez restreint côté de techniques spéciales. Ça reste... Là, voilà, je vous ai mis l'aide pour vous expliquer. Les ES, en fait, c'est les points, comme je vous disais. Donc là, c'est la technique spéciale de Vice. Donc, voilà. On va regarder ensemble. Hop. On va attaquer pour l'instant. Je vais choisir ma cible. Haha, Feratus. Et un grand coup d'épée dans ton anus. Oh, pardon. J'allais pas le dire. Allez. Bon, vous voyez, graphisme un peu vieilli, mais ça reste toujours sympa. C'est quand même relativement propre à GameCube. Hé, tu m'as manqué, mon cochon. Non, mais oh, ça va pas de taper. Hop là, un en moins. Ça, c'est fait, c'est réglé. Alors, hop, attaquer. Bon, pour l'instant, c'est relativement simple. Parce que comme vous l'avez vu... J'ai que des attaques basiques, les attaques spéciales coûtent relativement cher. Donc au fur et à mesure des tours, comme vous le voyez, la barre augmente en haut. Avec le nombre de points qui m'est attribué. Donc là, j'ai toujours pas assez pour me faire une technique spéciale. Est-ce que j'ai... J'ai pas de magie encore, il me semble. Non, j'ai pas de magie. Par contre, vous voyez, on va tester le focus. Si je me trompe pas, le focus, en fait, ça permet de vous concentrer. Alors voyons. J'espère ne pas le tuer. Ah voilà, je l'ai pas tué. Comme ça, on va voir les résultats. Je me rappelle en même temps que vous un peu le jeu. Parce que c'est vrai que je n'y ai pas joué depuis un moment. Ah voilà, ça, en fait, la focus permet de monter plus rapidement la barre d'énergie. Ça permet de monter un point en plus. Ça, c'est bien, c'est très bonne gestion. Et attention, la furie du sabre. Ça y est, on va faire l'attaque spéciale. Les épées bleues transparentes. Oh, ça rock du poney. Alors, si je me souviens bien, c'est un des seuls jeux où je trouve que la VO est bien mise en scène. Bon, bien sûr, en anglais, il disait Furie du Sabre. Tout le monde l'a compris. Avec ses lames turquoise transparentes. Alors, hop, un petit peu d'XP. Alors, ce panneau-là, c'est important de vous montrer. Et je pense que je vais attendre un peu avant de vous l'expliquer. Parce que j'ai plus encore toutes les notions. Il me semble que c'est par rapport à la magie. Ça permet de monter votre affinité à la magie. Mais on verra ça tout à l'heure. Ou dans un prochain épisode, je me souviens plus bien. Inutile de me résister, jetez vos armes et rendez-vous. Imbécile, qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire contre nous cinq? Emmenez-les. Hop là, une balle dans la tête, c'est réglé. D'ailleurs. Je crois que vous avez mal compté, je n'en vois plus que 4. Papa! Et oui, il a un Perkirox. Nous allons nous occuper d'eux. Va sur le pont et éteins les moteurs. Et tant que nous sommes ici, n'oubliez pas, appelez-moi capitaine. Papa, compris? Ok, à vos ordres, capitaine. Et Eka, est-ce que nous devrions aller nous présenter au capitaine de ce navire? Quand tu veux. D'accord, allons trouver la passerelle. Bah, les voix de filles, c'est pas ma spécialité, hein, donc j'essaye de faire avec les moyens du bord. Allez, alors on commence très très bien sur un petit coffre. Un cristal sacré. Alors il me semble que le cristal sacré, c'est pareil, c'est en utilité avec la barre qu'on a vu, le panneau qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux affinités avec la magie. Hop! Alors. Tiens, tiens, les pirates de l'air ont décidé d'infester mon navire. Il a quand même un air vachement pétant, lui. Hein. Je suis Alfonso, friche et riche de la famille la plus distinguée de Valoa. Et amiral de la Manda impériale. Oh, la blodinette. Normalement, les vauriens comme vous n'ont jamais l'opportunité de se vautrer dans tant de grandeur. Vous avez de la chance. Ouais, c'est qui cette fille? Je ne pensais pas que quelqu'un de notre statut s'abaisserait à kidnapper une personne.
Vous êtes très perspicace pour un gredin. Ceci dit, je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Il faut que j'y aille. Je crois que je vais vous faire exterminer comme de la vermine. Disposez d'eux. Ouh, la larme. Ouh, les méchants qui sautent du toit. Allez, c'est parti. L'occasion de réutiliser la furie du sang. Oh, il y en a plein. Alors, hop, pour l'instant, on va se contenter de faire une attaque classique. Normalement, si j'ai pas de bêtises, en deux coups, j'arrivais à les tuer. Bon, c'est relativement simple au début. Hein. Oh, un coup critique, bim, ça c'est fait. Joyeux Noël, bonne année. Ah. Et pourquoi l'attaque deux fois? Ah, c'était une contre-attaque. C'est vrai qu'il me semble qu'elle a la possibilité de contre-attaquer. Ou c'est deux persos qui ont possibilité de contre-attaquer. Les deux persos ont possibilité de contre-attaquer. C'est formidable. Ça m'a permis de les éliminer. Alors je sais plus si c'est un effet d'arme ou si c'est le jeu qui propose ça. À vérifier, il faudrait que je regarde. Comme je vous ai dit, je redécouvre vraiment le jeu avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Allez hop. Level up. Hop, j'augmente le max PV, pouvoir, volonté, vigueur, agilité, rapidité. Et toujours ce petit panneau. Alors voilà, rang sup. Le rang sup, voilà, c'est bien la magie. À partir du moment où vous arrivez à un certain quota de points dans une couleur, vous apprenez un sort dépendant de cette couleur. Il faudra que je regarde quel est le seuil. Ça va permettre de faire un peu de leveling, ça c'est bien ça. Des bruits assourdissants. Dans tous les RPG, vous avez un moment où vous vous tapez une sacrée alarme. Alors, je m'étais dit que peut-être avec un peu de chance, j'allais avoir un coffre. Non, même pas. Hop, Julien. Je galère un peu en mouvement. Quoi? Comment vous avez pu vaincre tous mes soldats? Et si vous voulez vraiment prendre mon navire, vous pouvez le prendre. J'en aurai un autre. Je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous personnellement. Alors si vous voulez bien m'excuser... Non, pars pas. Reviens voir papa. Reviens voir papa. Oh, un combat. Ouh, un combat. Allez, c'est parti. On va leur mettre la misère. Oh, il y en a un différent. Il y a Princess, ouais. Il semble que ceux-là, c'est ceux qui attaquent à distance. Bon, vous avez vu, les déplacements des joueurs et des ennemis sont générés aléatoirement, en fait. Et à des animations de combat pendant qu'on est en temps de cooldown. Pour l'instant, ils me font relativement pas mal. C'est eux qui me font relativement pas mal ou c'est moi qui suis relativement fort? C'est à voir. Ça baisse quand même, hein. Bim, une contre-attaque, ça c'est fait. Joyeux Noël. Et est-ce que... Sacré, c'est pour healer, me semble. Ouais, c'est pour healer. Ça coûte pas cher en plus. Allez, on va voir quel effet ça fait. On va le faire sur Rise. Sur Vice. Hop là, j'ai récupéré tous mes PV. Les animations de sort sont pas mal, il me semble. Non mais, la contre-attaque est quand même bien pratique à bas level, j'ai l'impression. En début d'aventure. On va voir ce que ça peut donner dans le futur. Allez. Et est-ce qu'elle a une attaque spéciale? Ah, elle n'a pas d'attaque spéciale encore. Allez, attaquons. Pim, coup critique. Alors, vous voyez, une petite animation supplémentaire quand il y a un coup critique. Ça reste du tour par tour, par contre. Moi j'adore ça, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, regardons. Donc là, on a l'XP. Et là, on a ce panneau. Donc j'ai l'impression que, voilà, le panneau, c'est un rank... Je sais pas si c'est reset, en fait, à 28. Faudra que je regarde. Je sais plus du tout, faudra qu'on regarde. Je vous dirai ça à la prochaine vidéo, ou tout à l'heure. Ah non, prochain combat, tout simplement, parce que j'ai remarqué que c'était 28. Sésame, ouvre-toi. Ah, un petit coffre. Goutte magique. Et goutte magique. Et si je ne m'abuse, il me semble que c'est pour récupérer. Pour récupérer de la magie. Je crois.
Je sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Il faut pas trébucher de l'échelle quand même, hein. Ça glisse, hein. Dis donc. Je vais le prendre par-dessous. Voix satanique. Oula. Oula, ça s'enfuit, ça. Oh, ça s'enfuit. Votre Excellence, le soleil est levé, la visibilité est bonne, les préparatifs pour votre fuite sont terminés. Bon travail, moi aussi j'ai terminé mes préparations. Préparation pour disposer d'un traître. Quoi? Je vous en prie, Excellence, que faites-vous? Je ne peux pas dire à l'impératrice que j'ai perdu mon navire contre les pirates de l'air dans un combat loyal. Vous ferez un bouc émissaire idéal. Afin de préserver ma glorieuse réputation, vous devez être sacrifié. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Ah! Et paf, ça fait des jocapics. Même sa mort me servira. Il me tarde de l'annoncer à l'impératrice. Bonne grandeur, mon vice-capitaine m'a trahi et a permis aux pirates de l'air de monter à bord. J'ai été obligé de disposer d'un traître. Alors, c'est comme ça que Valois traite son équipage. Quoi? Maintenant que nous avons pris le contrôle de votre navire, vous allez prendre aussi la fille. Il me reste une dernière chose à faire. Vous bottez le train. Non, après vous avoir tué de sang-froid un homme désarmé, je ne peux vous laisser partir comme ça. Sortez votre épée, Alfonso. Ah bon, bah, comme vous me défiez. Vous n'en valez pas la peine, mais peut-être que vous aimeriez faire la connaissance d'un de mes animaux. Viens, Antonio. J'aime bien la voix que je fais là. Ça fait très pétant. Très... Oh. Oh, il est pas beau lui. Oh, le cochon. Il y a des cornes partout. C'est ma bête de guerre personnelle. J'allais la laisser ici, mais on dirait que je lui ai trouvé une utilité. Antonio, pétine cette vermine et que leur mort soit aussi douloureuse que possible. Sacrément bizarre cet animal quand même, hein. Oh, oh, calme-toi. Descends d'un ton, là. On va pas être copains, toi et moi. Allez, déjà, bim. Attaque, attaque. Ça lui fait pas grand-chose. C'est un boss. Comme on pouvait s'en douter. Oh là là, tonnerre fury. Ça a pas l'air bon, ça. Ouh, ça a pas l'air bon. Ouh, c'est pas bon. 4, donc lui, on va... Piri, ça coûte combien? 2. Ça doit être un sort de feu. Provoque une explosion de flamme, baissant tous les ennemis. Ouais, bon, c'est une multi-cible. Pas forcément intéressant. Donc pour l'instant, avec lui, on va se contenter d'attaquer. Avec elle, on va se faire un petit sort de guérison. Sur Vise. Pas tenter le diable. Il fait des contre-attaques en plus. Ah ah, le cochon. Bon, ça va, sur les dégâts classiques, il fait pas. Sur les attaques classiques, il fait pas extrêmement mal. Pour l'instant, on va attaquer comme ça, ça va peut-être me. Ouh, critique. Ouh. Ça va peut-être me permettre d'utiliser la furie du sabre après avec Vice. Je crois que c'est 2 points générés, donc 4, je devrais arriver à 6. 6, je vais être obligé de passer un heal, quoique elle peut tenir encore. Même s'il me fait son attaque spéciale. On va faire ça pour lui, ça pour elle. Ça va me permettre d'avoir 9 points, d'enchaîner après avec un heal. 7, comme ça, pour le prochain tour, je devrais avoir 9. Ah, maintenant je suis bloqué à 8 pour l'instant. Zut, j'ai pas calculé ça. Non mais oh, dis donc. Hop.
Hop, voilà. Il va prendre une furie du sabre. Viens, mon cochon. Non, non, attaque pas, fais pas mal, hein. Ça va pas la tête. Et le côté épicness de cette attaque, allez. Oh, furie du sabre. Hé hé, t'as mangé ta mamie? Allez. On repart sur du classique. Un petit peu de heal sur Eika. En plus, elle a une voix pas dégueulasse, Eika, en anglais. Qui est contrairement le cas de pas mal de RPG pour le côté féminin. Qui ont des voix un peu gnangnan. Ah, est-ce qu'elle va me passer? Est-ce qu'elle va me tuer? Pas qu'une critique. Ah, ça va, ça s'est passé. Faudrait pas qu'il réussisse à m'attaquer avant que je lance le sort de soin, en fait. On va attaquer là, comme ça. Ensuite, sort de soin. Hop. C'est bon, le sort de soin passe en premier. Attendez, c'est un personnage qui a beaucoup d'agilité. Je pense que ça lui permet de soigner avant. Ah, tu vas dire tes derniers mots, Antonio. Allez, rien que pour le petit côté lore. Vu que c'est quasiment dans la poche. Je vais le finir avec une furie du sabre. Il manquerait plus que je meure maintenant. Ce serait quand même un sacré fail. Ah, je pense que vous réussiriez à me troller quand même pas mal. Et non, je ne suis intuable. Voilà la furie du sabre pour la troisième fois de ce combat. Et là, s'il n'y a pas de l'épique dans cette attaque, je l'ai tranché en deux. Oula, oh, 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 mais il avait du matos sur lui hein, pour exploser comme ça. Et quand je tranchais des sangliers, ça me fait pas ça normalement. Allez, hop. Level up. Alors, non, je suis bien resté à 28. Ah non, mais en fait, ça se décompte, d'accord. En fait, ça se décompte et à partir du moment où je tombe à 0, ça passe le level. Par contre, je sais pas en fonction de quoi c'est gagné. Je gagne du vert et du rouge pour l'instant. Je crois que c'est parce que j'ai que débloqué des sorts vert et rouge. J'ai que des sorts vert et rouge de base sur ce perso. Bon, peut-être qu'il ne faut pas se fier aux apparences avec vous. Bon, Vice et les voleurs bleus, vous regretterez ce jour, le jour où vous êtes opposé à l'Empire Valuan. Nous nous reverrons. Hé hé, prends la fuite avec ton petit bateau là. Non, 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 ta, 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 ta. Ouais, bon, enfin, il faut peut-être pas lui sauter après là, faut peut-être pas non plus abuser le côté héroïque. Héroïque, mais pas téméraire. Espèce de lâche, quel genre de commandant sacrifierait ses propres hommes et son navire pour échapper à un combat? Bon, même s'il était lâche, c'était un lâche qui avait de l'or. C'est vrai. Je suppose que le navire et tout ce qu'il transporte nous appartient officiellement maintenant. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait une telle prise. Les gens de chez nous vont être impressionnés. C'est vrai que ça fait quand même une sacrée prise. Hein. Le bateau, la gonzesse... Et voilà, hein, ça fait quand même beaucoup. Et regarde cette fille. Je n'ai jamais vu de personne habillée de cette façon. Tu as raison. Elle n'a vraiment pas l'air d'être ici. Je me demande pourquoi Valois essaie de kidnapper cette fille, de toute façon. Je demande d'où elle vient. Cet endroit. Suis chez moi? Fina. Fina. Vous remplacez Rami la lune. Ancien. Ceci dit, faites attention à vous. Ne laissez pas confiance. Ancien. Comment va-t-elle, Vice? Ah, j'ai oublié l'intonation.
Sa respiration est plus régulière maintenant, je crois qu'elle s'en sortira. Regarde, elle revient à elle. Où suis-je? Vous êtes à bord d'un navire, l'Albatros. Je m'appelle Vice. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune troupe Vyran ici. Alors vous êtes en sécurité? Oui, merci beaucoup. Ah, vous n'avez pas à me remercier, les voleurs bleus sont toujours là pour aider les gens. Je m'appelle Eka, enchanté. Et pouvez-vous nous dire votre nom? Je m'appelle Fina. Allez, on va lui dire... Allez, c'est un joli nom, on va faire un peu le dragueur. Fina! Ah, c'est un joli nom, c'est très très féminin. Vraiment? Vous trouvez? Ça alors? Vous essayez de faire un compliment à quelqu'un et rien pas la moindre réaction. Ah, Vice, c'était pas vraiment un compliment. On dirait que tu as beaucoup à apprendre des femmes. Ah! Excusez-moi, mais je voudrais savoir... Excusez-moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un pirate de l'air, exactement? Quoi? Vous naviguez toute seule et vous ne connaissez même pas les pirates de l'air. Oh, je suis désolé, c'est mon premier voyage. En fait, les pirates de l'air sont des marins qui attaquent les autres navires et volent leur cargaison. Attaque? Ah, vous n'avez pas à avoir peur de nous, nous sommes les voleurs bleus. Vous voyez, les pirates de l'air sont divisés en deux factions, les voleurs bleus et les pirates noirs. Les pirates noirs attaquent tout ce qu'ils trouvent dans le ciel, surtout les vaisseaux de marchandises et les navires des armées. Cependant, nous, les voleurs bleus, nous prenons que les véhicules. Ah, j'ai sauté. Nous voulons aux riches, gardons l'or, mais nous utilisons l'or pour sauver les gens qui ont besoin de notre aide. Voilà pourquoi nous avons aidé. Nous vous avons aidé, ne vous inquiétez pas, nous essayons pas de vous kidnapper. Détendez-vous et profitez du voyage. D'accord. Dine, Pice, Eka, vous allez rester encore longtemps assis à bavarder? Venez sur la passerelle immédiatement. Oh non, j'ai pas vu le temps passer. Oh tant pis, je pense qu'il faut y aller. Bon Fina, nous nous reverrons plus tard, essayez de vous reposer. Hey Vice, ce raid de tout à l'heure n'était pas mal du tout. Nous avions pas fait de raid sur un navire Valouane depuis longtemps. Si tu te demandes ce que nous avons fait des Valouanes, eh bien quand ils ont vu que leur courageux leader avait abandonné le navire, ils se sont rendus. Par contre, Capitaine Dine les a laissés partir, après avoir pris leur trésor bien sûr. Et il était gros. Ouh là là, ça commence à devenir incestueux le truc. Nous prenons tout ce que nous pouvons, mais nous ne nous battons que si nécessaire. C'est ce qui différencie les voleurs bleus des pirates noirs. Alors, où dois-je aller? Où dois-je aller? Oh, c'est quoi ça? Une cargaison? Non, c'est rien. Allez. On monte l'échelle. La musique est quand même relativement épique. Ça, c'est du vaisseau. Tu as un retard, Weiss. Je t'ai dit dès que tu devais commencer à l'heure. Tu connais la routine, nettoie les ponts et ils ont intérêt à être propres. Mais papa, je n'étais pas très en retard. Sur un navire, cela peut coûter des vies d'être en retard. Et encore pour une chose, tant que nous sommes à bord, ne m'appelle pas papa, mais capitaine, compris? Oui, j'ai compris. Nous rentrons sur l'île des pirates, va voir si Briggs a besoin de toi. Et c'est qui Briggs? Je tourne en rond. Quand tu es là-bas, fais attention aux récifs célestes. Ce ne sont les turbulences qui entourent les pirates. Si tu les traverses alors que tes moteurs ne sont pas assez puissants, le vent te poussera dans les profondeurs. La pression d'en bas nous écraserait. Briggs, le vice-capitaine. Ah ah, c'est toi.
Oh, te revoilà, Valaris. Tu as fini par décider de nous rejoindre sur la passerelle, hein? Bon, nous repartons vers l'île pirate. L'île pirate se trouve à l'est. Tu devrais y arriver en suivant la boussole. Tu crois vers l'est? À vos ordres. Allez, en route. En avant toute, vers l'île pirate. Et c'est moi qui prends la barre. Allez, en mode bateau. Vice, avant de te mettre les voiles, as-tu des questions à me poser? Alors, comment gouverner? Non, ça va aller. Bien, en avant, destination l'île pirate. Les mouvements, ça va être les mêmes que sur un MMO classique. Par contre, la seule chose qui va différencier un peu, c'est les combats navaux. Les combats navals. Oh là là, Julien. Alors, je dois suivre la boussole. Ça, c'est le menu. Alors, je vais regarder de la magie. On n'a pas d'explication sur... Menu aussi. Ça, c'est la carte. Donc, du coup, il faut que j'aille... Ah, ça va marquer. Bon. Hop, il semblerait que ça soit pas par là. Quoi ? Il semblerait que ça ne soit pas par là. Allez, rebrousse son chemin. On va aller au nord. Au nord, nord. Le nord, les ch'tis de Skywalker. Oh, calme-toi, pépère. Et je suis perdu. Ouh, le combat. Ah, c'est bien ça, il y a des combats en vol. Allez, on attaque direct, on s'embête pas. Oh là, c'est quoi ça? Ah oui, si je me souviens bien. Alors, si je me souviens bien, ces mobs-là, en fait, il faut les attaquer via la magie. Ce mob blanc. On va pouvoir tester la magie de feu. Non, bah alors c'est pas ça. Je me souviens plus comment on les atteint. Si. Ils sont faibles à toucher. On va réessayer encore, sinon après je vais. Ah, mais je. Faut que je m'en rappelle. C'est une quête. Ah, bientôt une nouvelle magie avec Eka. Donc voilà, on va tester par là. Je le sens bien là. Là, je le sens bien. Ah, je le sentais bien. Rentrons à l'île des pirates. Bonjour Fina, comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux, merci de vous inquiéter pour moi. Eh, pas de problème, je suis content de voir que vous allez bien, apparemment nous allons bientôt atteindre l'île. L'île? Vous pouvez la voir juste là-bas, c'est notre base, l'île des pirates. L'île des pirates? Et pour l'instant, c'est une base qui a 6 maisons, quoi. Pas non plus péter trop plus haut. Hein. T'imagines qu'avec les deux vaisseaux, ils sont plus grands que l'île, à mon avis. Et quitter l'île, habiter dans les vaisseaux. Hein. Oh là, c'est perfectionné quand même leur truc.
Voilà, mais ils ont ramassé que ça du vaisseau. Moi je veux les sous, les sous, les sous. Monnaie, monnaie, monnaie. Arme, armure, or. Alors là, une grosse prise, une de nos meilleures jusqu'à présent. Ce soir, il faut fêter ça. Et oui, pour un. Voilà, Fina, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous en pensons. Mm-hmm. Eh bien, ça a l'air d'être un sacré défi. Un défi, hein. Eh bien, puisque vous le dites, oui, ce n'est pas facile, mais on s'amuse beaucoup. Petite présentation sommaire de l'île. Je le trouve terrible, ce logo. C'est le port souterrain dans l'île des pirates. De l'extérieur, cette île ressemble à un village tranquille et paisible. Mais nos quartiers généraux se trouvent à l'intérieur de l'île. Il y a des armeries, des magasins et même une taverne. Venez, nous allons vous faire visiter. Vice. Viens dans mon bureau, tout de suite, avec cette fille. Vice. Je me demande ce qui te passe. Je ne sais pas, mais il vaut mieux se presser. Mon père déteste que nous soyons en retard. Hop, et ben voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire, d'en profiter, à me dire si jamais vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Ça me permettra d'avoir vos avis pour continuer ou voir autre chose. Donc je vais vous laisser là. Si ma chaîne vous plaît, je vais vous mettre des liens pour vous abonner ici et sur ma page Facebook, juste là. Et ça sera donc avec le plus grand plaisir que je vous donnerai des informations et j'écouterai vos conseils quant aux vidéos et quant tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine !